anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Je voudrais, et dans cet échange croisé, comme on l'a intitulé tout à l'heure, revenir sur des fondamentaux qui font que notre pays existe et qui font qu'il doit exister au-delà des tribulations et des temps actuels. Sur une vision qui m'est très chère, c'est la vision de la démocratie et des droits humains, ce qui est la base en réalité de notre communauté internationale, nationale, régionale et que sais-je encore. Je voudrais juste camper le décor, le contexte, et dire ce qu'il en est pour nous en tant que Burkinabés, ce que signifie cette célébration pour nous. Après près de 6 décennies d'indépendance formelle, où une nouvelle nation s'est dotée d'une loi fondamentale, inscrit ses armoiries sur un fronton d'une nouvelle république, créer son hymne national et tentant de manière indépendante, aussi bien que possible, d'assurer le bien-être de ses populations dans tous les domaines. C'est un Burkina 6 août 60 ou 5 août 60. Après près de 6 décennies où ce pays entretient un dialogue avec des partenaires du continent, les pays africains, des partenaires de la communauté internationale et des partenaires dans tous les domaines de la vie politique, économique et sociale.